Bon matin. Parfait, parfait, parfait. Bon matin. C'est spécial parce que, et c'est ça, il me semblait de l'avoir vu passer hier. On était en direct avec Valérie. Ce matin, on est en direct avec une autre Valérie. Mais qui nous disait qu'elle souhaitait avoir un masque. Puis là, j'ai fait, ah, il me semble avoir vu ça passer. Et c'est aujourd'hui qu'on va parler du masque chocolat. Donc, je vais aussi le démontrer. J'ai pris l'habitude, je sais pas si vous avez remarqué, dans les derniers jours, de vous présenter la formule qui est à l'honneur sous forme de petites vidéos. Donc, ils sont tous sur YouTube et sur notre site dans les fiches produits, mais je les mets moi sur mon Instagram et sur mon TikTok. Je sais plus où sont les gens, donc je les mets sur. Donc, je vais faire tantôt, je vais démontrer le masque au chocolat. Et là, j'ai dit, est-ce qu'on peut rajouter dans le spécial le réchaud? Parce que pour moi, ça va avec donc ce réchaud qui est en tout de cuivre bosselé, fait main, sur mesure pour nous, en Inde, par vraiment tellement un beau groupe. Tu sais, je vous parle souvent des femmes du Maroc, mais bon, le cuivre ici, c'est impossible de le faire. On s'entend que tout ce qui est cuivre, ça se passe là-bas. Et ils sont tellement reconnaissants. Et ça fait déjà 3 fois, je pense que 3 lots qu'on leur demande. Puis ils nous avaient partagé une vidéo. Il doit être sur le site d'ailleurs. Allô, Valérie? Enchantée. Bonjour. Allô, Ça Jacinthe. va bien? Enchantée. Merveilleux. On se connaît pas. Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. C'est un petit peu Non, on embrouillé. se connaît Il pas. y a comme un décalage. Là, je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais c'est Moi, pas je suis embrouillée. un petit peu. Peut-être que les gens te voient J'ose correctement. aller. Non, mais c'est pas. Je pense pas J'ose que faire le c'est la. tour de ma Puis là, on Tiens. t'entend. OK, super. Il y avait un Ah. petit décalage, mais tout est beau maintenant, Valérie. Bon, vous allez avoir le l'art plastique de mon garçon derrière moi. Il y a quel âge? Il y a un petit Il y a chouchou. 6 ans. Il y a 6 ans, le petit coco. C'est oui, alors j'étais en train d'expliquer aux gens. Merci d'être là. Tu sais, il y a des personnes que je connais parce qu'on a fait des directs l'été dernier, mais Valérie, on se rencontre pour la première fois et je suis toujours tellement. Tu sais, ça fait chaud au cœur de vous rencontrer. C'est vraiment, c'est inexplicable, là, mais de passer du temps avec vous, pour moi, c'est waouh, tu sais, puis on s'en parle avec Sylvain après. Donc, merci d'être là ce matin. Merci d'avoir écrit à Marie-Christine. Et pour toi, parce que tu nous as nommé 3 formules qui ont changé ta vie, Ouais. pour toi, on met le masque au chocolat aujourd'hui. Et Super. on vient juste de rajouter à la dernière minute le réchaud pour le faire fondre parce que je trouve que c'est plus. Donc, un et l'autre, là, le masque au chocolat, il est à 32 $ au lieu de 40 et le réchaud, 36 et quelque chose au lieu de 46. Bref, et vous allez faire très long feu, là, avec le masque, à moins que vous l'utilisiez très À souvent, mais moins que vous le mangiez, tu aussi. Mais sinon, une fois par semaine, tu sais, vous allez en avoir probablement pour l'année parce que on couvre le visage, mais voilà. Et c'est un beau masque. Valérie, je vais te laisser parler. Tu sais, des fois, je pense que je parle trop. Ça va. Laisse arriver, puis. Pour moi, là, le masque au chocolat, ça a vraiment été comme l'étape ultime de comme du rituel de soins pour moi. Parce que quand j'ai connu Maison Jacinthe, c'était l'été dernier, tu sais, comme je venais d'accoucher, en tout cas, on avait fait de la fertilité, j'avais le visage détruit. Tu sais, comme je savais que ce que je faisais, c'était pas. Je faisais plus rien parce que j'avais tout arrêté pendant la grossesse. Je voulais comme pas rien prendre. Mais là, mon visage, tu sais, ça faisait pitié, là, il était engorgé, sec, ridé, bouton, tu sais, comme j'avais tout. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais?
Puis là, je me rappelais, quelqu'un m'avait parlé, là, qui se mettait du push-push dans le visage, puis de l'huile pour se nettoyer. J'étais comme, ah ouais, puis il me semble que c'était ah, une belle femme, puis c'est québécois, puis c'est naturel. J'étais comme, je pensais que j'avais googlé push-push dans le visage, naturel. Fait que là, j'avais trouvé Maison Jacinthe, puis là, c'est là que j'avais comme fait. C'est comme un monde qui s'ouvrait pour moi, là. Tu sais, j'en ai écouté des vidéos de toi et Nathalie pour comprendre comment se prendre soin de sa peau. Ça m'a pris à peu près 6 mois avant de comprendre si c'était une imbibition et non pas l'inhibition. Tu sais, je partais de loin, là. Ben, tu sais, moi, j'essaie, parce qu'à tous les jours, je vous fais des petites vidéos en plus, tu sais, du direct pour vous présenter la formule. Le masque au chocolat, c'est très simple. C'est sûr qu'on peut complexifier notre routine puis se faire un soin, mais de base, c'est très, très simple. Puis j'essaie toujours, tu sais, puis je vais faire un petit guide, là, minuscule, quelques pages seulement, pas de, parce que là, on a des centaines de pages de guide, mais parce que je trouve ça important de comprendre. Puis quand on comprend notre peau, regarde, tu sais, moi, je t'avais tous ces problèmes-là l'été dernier. Là, je te regarde toi, puis t'as comme une peau de mannequin, là. Mon Dieu. Mais j'ai tellement travaillé, tu sais, pour moi, c'était important. Mais tu sais, pour moi, Maison Jacinthe, ça a vraiment été le déclencheur, là. Tu sais, je l'ai pris par petites bouchées, puis comme mon hydrologue avec mon huile nettoyante a mené à d'autres choses, a mené après ça, justement, à mon masque. Tu sais, pour moi, c'est devenu un moment d'ancrage, de renouvellement. Tu sais, c'était vraiment un moment que je prenais pour moi. Mais en même temps, ce que j'ai adoré avec les produits, c'est que si jamais j'étais interrompue par mon garçon ou par mon bébé, tu sais, c'est pas une affaire qui me brûle dans le visage, puis vite, 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 ou maman, elle peut pas parce que maman, elle a ça. Puis, tu sais, je peux oublier des choses et c'est pas grave. C'est super intuitif, je trouve. Ah, c'est beau ça. Oui. Fait que c'est ce que j'ai vraiment aimé, mais tu sais, comme le masque, ça venait vraiment comme ajouter une couche à comme, OK, je prends soin de moi, je prends ce moment-là, je prends contact avec moi, tu sais, me toucher mon visage, pas juste comme une pompe astringente, qu'après ça, je suis comme, ah, oh, j'aurais pas de bouton, c'est tout sec, puis une crème qui sent juste le cocombe, tu sais, comme, tu sais, là, j'étais. Tu sais, ça a été le moment que je découvrais comme, ah ben ouais, c'est vrai, j'ai mal à mâchoire, ah ben là, je me masse là. Après ça, ah mon Dieu, mon teint, il devient plus lumineux quand je fais ça. Puis là, je rajoutais des étapes, puis là, j'étais comme, OK, le masque. Puis là, le masque, c'était vraiment mon moment que là, tout ce que je venais de me donner, je veux dire, comme amour, ben là, je l'intégrais, tu sais, je l'intègre, puis. Ah, des fois, là, je me sens funky. Là. Je suis comme, ah, j'ai-tu le goût d'être un after eight? Là, j'ai mis un petit peu de menthe dedans. Ou orange douce. Oh, wow! Tu rajoutes ça dans ton masque. Quelle Juste une petite couche. Tu sais, comme, dépendamment de ce que j'ai le goût de sentir. Tu sais, comme je dis, pour moi, ça a été vraiment intuitif que je développais ça. Tu sais, j'ai pas de formation, j'ai pas rien, mais tu sais, ça. Pour moi, je sentais que ma peau était heureuse. Et Fait t'as que. commencé par l'huile nettoyante. T'as trouvé le push-push. T'as googlé push-push. Puis t'as trouvé Maison Jacinthe, fait que Exact. l'huile nettoyante, t'as commencé par ça. Puis Ouais. là, OK, c'est une révélation. Et moi, je le dis pour tout le monde, tu sais, l'huile nettoyante, on commence avec ça. Et de toute façon, pour se faire un masque et pour que le masque soit performant, il faut que la peau soit propre. Exact. Fait que, puis après ça, le karité solaire, tu disais que tu étais plus rouge tomate grâce au karité solaire. Ah oui, parce que ben c'est sûr que je protégeais pas beaucoup ma peau parce que tu sais j'avais pas ce contact-là, j'avais pas ce besoin-là non plus de me je savais même pas que ça c'était un plaisir là, de se nettoyer le visage là. Pour moi, c'était associé à l'adolescence, j'ai des boutons, on me prescrit plein de crèmes qui marchent jamais, qui me causent d'autres problèmes. Fait tu sais comme je prenais j'évitais de toucher à ma peau littéralement. Puis le concept de mettre de l'huile dans mon visage, là, ça a été là, la distorsion cognitive pendant longtemps, là. J'étais comme, mais non, j'ai un bouton. Je peux pas aller mettre de l'huile. Fait
Fait que tout ça, là, quand je dis, c'est des morceaux là, qui venaient cliquer, puis je comprenais, puis quand tu nous expliquais là, que la peau, c'est une éponge, puis on a, c'est sec, il n'y a rien qui rentre dedans, puis j'étais comme... Fait que là, j'ai rembarqué, avant de me rendre au quartier solaire, j'ai embarqué avec le gel d'aloise. Tu sais, fait que là, j'ai commencé à voir, ah ben oui, c'est pulpé, c'est le fun. Après ça, ça l'absorbe. Ça l'absorbe mieux, je me sens mieux. Puis là, le quartier solaire, ça a été comme ma façon d'amener mon rituel avec moi dans la journée. Parce que là, je ne vous cacherai pas, quand j'ai commencé ça, j'avais le goût de nous autres à la maison, on dit « Maman a fait sa face ». J'avais le goût de faire ma face comme 3 fois par jour. Je n'étais plus capable de porter de maquillage. Il n'y a plus rien qui m'intéressait. Là. Tout ce que j'avais le goût, c'est d'avoir la peau propre, d'avoir la peau comme fraîche, pulpée. Puis là, mon karité, je trouvais que ça venait, un, clore mon rituel, puis j'amenais ce que j'avais fait avec moi dans la journée. C'est ça beau, venait... Valérie, ça donne tellement une belle perspective, puis les femmes se reconnaissent aussi. Écoute, le karité, en plus, tu sais, moi, c'est ma protection solaire minérale depuis des années, là, et ça agit comme un masque de type collagène. Fait que, tu sais, c'est fantastique. Et je sais pas si c'est ce que tu utilises sur tes enfants, mais c'est ce que j'ai utilisé sur mes 3 bébés, tu sais. Et je trouve ça fantastique d'avoir cette qualité-là de soins. Et j'aime t'entendre parler de ton cheminement. Ah, mais honnêtement, puis tu sais, pour moi, au début, je comprenais pas maison, jacinthe. J'étais comme, ben c'est des produits pour se laver le visage. Mais comme je dis, là, c'est un cheminement. Puis là, justement, grâce au projet que vous faites l'été, de faire connaître des produits à chaque jour, là, à un moment donné, j'ai connu le complexe B, j'ai connu le collagène, j'ai connu... Puis là, finalement, je suis comme, ah ben oui, mais maison jacinthe, je comprends, parce que là, ça venait toucher mon alimentation, ça venait toucher la manière dont je prenais soin de ma famille. Tu sais, comme mon gars, tu sais, j'entendais hier l'autre Valérie, nous autres ici, là, c'est comme « Maman, mon push-push, maman, mon si, maman, on va-tu à la maison Jacinthe aujourd'hui? » Tu sais, je l'amène, mon gars, puis il sent les savons, il choisit un lipsil, tu sais, comme, il trippe avec moi, là, il m'appelle la sorcière, puis il me dit toujours « Maman, tes crèmes? » J'ai « On fait pas de crème à la maison Jacinthe, il y a plus de crème! » Fait que ça vraiment... C'est beau de leur enseigner ça, puis le contact avec les vrais parfums naturels, puis tu sais, ça les transporte aussi, ça change tout. Et hier, je me passais la réflexion, ce que tu viens de dire, tu sais, qu'à tous les jours, on découvre quelque chose. Puis depuis que je dépose mes petits films sur Instagram ou TikTok, tu sais, sur Facebook, vous êtes habitué de me voir depuis 3 ans, tu sais, c'est comme à tous les jours, puis j'ai l'impression d'avoir présenté tout et... Mais là, c'est comme si c'était du nouveau monde, puis je réalise que, hey, il y en a des portes d'entrée, il y en a des merveilles, et chaque formule que je présente est magique. Tu sais, que ça soit l'exfoliant pour le corps, là, le masque au chocolat, dans le cas des rougeurs, tu sais, puis j'ai lu les témoignages sur le masque au chocolat. Les boutons, les rougeurs, ça les fait. Il y a une Jacinthe avec qui on était, que sa fille avait une rougeur sur le coin de l'œil depuis 1 an et c'est presque disparu totalement en un masque. Tu sais, c'est assez fascinant comment que le naturel. Et je sais c'est quoi le cheminement mental, là, tu sais, quand on se dit ben non, ça se peut pas ou c'est quoi de l'huile dans le visage. Mais quand on est dedans, c'est fascinant, c'est juste merveilleux, fascinant, puis on est content de prendre soin de nos enfants de cette façon-là aussi. Puis même mon conjoint, là, il embarque dedans le matin, je le pogne, là, il est de même avec son petit sérum. Là. Tu sais, je veux dire, il est embarqué dedans parce qu'il est comme « Oh mon Dieu! » Comme c'est vraiment ton visage a changé. Fait qu'il est comme moi aussi. Puis là, il fait Je le sens lui-ci prendre, développer cette connexion-là avec son corps. Tu sais, c'est comme si on met l'accent, je trouve, dans l'industrie sur le résultat. Tu sais, comme prends ça vite, 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 t'auras plus de rides. Bien, c'est impossible. Puis tu sais, c'est comme on en veut des rides d'expression. On en veut. On est humain. On veut pas. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas le goût d'avoir une face de plastique à 80 ans. Fait que tu sais,
Tandis que là, je trouve la philosophie de votre entreprise, c'est vraiment comme le processus. Puis on le prend par bouchée, on prend ce qui nous fait du bien. Puis comme, moi, à un moment donné, j'ai rajouté les huiles essentielles. Puis là, je me suis rendu compte que, ben moi, ça me groundait. Fait que je me suis acheté, mettons, le sérum à la myrrhe. Comme, vous me l'auriez présenté il y a un an, j'avais fait, ah, qu'est-ce que c'est ça? Comme, ça sent pas le cocon ou la mangue. Donc, ça ne sera pas frais dans mon visage. On comprend? J'adore. C'est vraiment, c'est très drôle. Et c'est parce que c'est ça. Et j'aime vraiment t'entendre. Tu sais, et l'élixir à la mer est merveilleux, là, tu sais, au niveau, tu sais, de la peau et du teint aussi. Puis, tu sais, c'est un. En tout cas, là, les rides, on les veut, mais pas trop. Tu sais, on veut quand même les et puis, on le voit avec tout ça. Je veux juste dire, parce que j'ai oublié de le présenter, puis David l'a vu, évidemment. Oui, il y a des nouveautés. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui est en ligne comme nouveauté, peut-être me le dire, mais le matcha que vous allez trouver en ligne. Donc, j'ai rencontré les Japonais, et c'était la première fois qu'ils sortaient du Japon. Et c'est la première fois que ce matcha, qui est un matcha de cérémonie vraiment la plus haute qualité là qui soit, sort du Japon. Et c'est ils font ça depuis tu sais quelques générations et c'est vraiment leur terre. Puis on va vous mettre aussi le vidéo s'il n'est pas déjà là de comment qu'ils nous l'ont présenté parce que la température de l'eau quand on fait notre thé est super importante. Je pense que ça doit être à 70. Donc, les vernis, OK, je suis contente. Parce que, excuse-moi, après ça, on revient, Valérie, mais les nouveaux vernis d'été, là, sont juste magiques. Puis, je les avais à côté de moi. Moi, ça fait comme 2, 3 semaines que je porte celui-ci qui s'appelle Ibiza. Puis, qui est juste, moi, ça me, c'est comme perlé, puis c'est, en tout cas, c'est magnifique. Mais vous allez aller voir nos nouvelles couleurs pour l'été, là, c'est. Et nos vernis s'appliquent super bien. Je ne sais pas si tu les connais. Et ils durent très longtemps. Ibiza, là, c'est comme. Tu sais, je ne le croyais pas quand les femmes disaient qu'ils gardaient 2 semaines. Je dis, ben voyons donc. Et je viens de garder mon Ibiza pendant 2 semaines. Tu sais, fait qu'ils sont impeccables. Et ce matcha, ben, c'est vraiment grandiose. C'est une expérience. Et j'ai envie qu'on apprenne, tu sais, comme eux. C'est pour ça que je vous ai mis. Le vidéo de comment ils nous l'ont préparé à Louis et moi quand on les a rencontrés. Parce que y a, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont prendre le petit fouet là, électrique, mais tu sais, il y a toute la tradition derrière ça. Puis si vous voulez, tu sais, y Le aller. rituel aussi. Je trouve que, tu sais, tu parles de prendre le temps, oui, tu sais, masser à pleine main son visage, c'est une révélation pour plusieurs, mais mon Dieu, que ça fait du sens, tu sais, d'un, pour que ça circule, tu sais, pour que les liquides, tu sais, puis qu'on puisse, justement, le masque chocolat va permettre aussi, parce que c'est un masque thermique, il va permettre, justement, à tout ce qui est engorgé de et il y a de l'amande poivrée, toi, t'en rajoutes des fois dedans, mais oui, ça sent le after-eight, et c'est vrai, vrai, vrai cacao. Donc, ça fait un effet froid. Donc, n'ayez pas peur. Moi, je le fais en été. Je l'ai fait les premières fois avec vous en été. Et oui, pour les personnes qui ont des rougeurs, c'est épatant. On a tellement de témoignages sur de l'acné, mais inflammé parce que ça calme la peau, le chocolat. Ça fait vraiment une belle différence. La rosacée, tu sais, tout ça, là, et des personnes qui l'ont fait puis qui n'avaient plus rien. C'est sûr que c'est pas on n'est pas dans la chirurgie donc il y a on peut à répéter à quelques fois dans la semaine si on veut vraiment donner un boost une cure beauté si on veut 3 fois par semaine par exemple vivre une belle différence puis après ça entretenir moi ce que j'aime de ce masque au chocolat c'est la densité sur la peau t'es pas rendue là Valérie mais tu sais ce que j'aime garder c'est ma ce qu'on a aussi quand on est au soleil, c'est que la peau se densifie et avec le temps, la peau s'amincit puis ride davantage. Donc, je peux retrouver cette espèce de force-là dans la peau, c'est vraiment bienvenu. Fait qu'il y a comme deux types d'actions avec
un qui vraiment calme les rougeurs, puis l'autre qui va densifier la peau, donc il est un super anti-âge, c'est merveilleux. Et c'est un plaisir de le faire, et je vais vous le démontrer tantôt. On n'a pas de fouet en bambou, David. On a commandé le bol aussi, et le fouet, on les a pas encore, ça va prendre quelques mois. Donc, mais on a le matcha. Je sais que les petits fouets, ça se trouve facilement, là. Les gens sont contents du matcha. C'est vraiment un vrai matcha de cérémonie biologique, tout, 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 tout. Et ça a été très long parce que c'était la première fois qu'ils sortaient du Japon, et oui, Valérie a une très belle peau. Valérie, tu as une très belle peau. Bravo d'avoir compris, d'avoir pris le temps, d'avoir du plaisir là-dedans. Et t'es un bonheur à écouter, ça me fait rire parce que, tu sais, j'ai l'habitude d'être avec du monde qui connaît ça maintenant, tu sais, fait que de t'entendre arriver puis de faire et toutes ces courts-circuits là dans la tête là, tout ça. Ah, vraiment, mais puis c'est tu sais, les gens ils ont vu dans mon entourage là, puis là je leur parlais de ça, puis le monde était comme, mais c'est ça l'affaire comme Mary Kay là, que tu vends. J'étais, mais non, je vends rien, je vais juste vous en parler. Ça a tellement changé la façon que je prends soin de moi, puis les aliments que j'ai le goût d'ingérer aussi. Tu sais, comme je peux vous parler du vrac salade, de mon collagène, de mon complet, comme j'y prends tout parce que je me sens comme ça. J'ai bien beau me faire 8 masques par jour, mais si je continue à prendre des éléments qui sont inflammatoires pour moi, ben oui, je peux le faire parce que ça va m'amener un moment de repos, d'ancrage, comme je disais, mais à long terme, c'est ça que ça m'a amené, comme le goût de vouloir prendre soin de moi, puis ça se reflète, puis j'en ai plein d'amis qui ont commencé mes onges jacinthes, là, puis sont comme, hey, fait que là, je prends quoi finalement? Fait que tu sais, j'étais comme, OK, prends ça, ça, puis ça, puis là, ah ouais, mais moi, habituellement, je prends juste, je me nettoie, puis je me mets une crème. Ouais, mais c'est peut-être pas ce que ta peau, est-ce que tu es contente? Tu sais, je veux dire, on n'a pas non plus 20 ans, là, tu sais, dans mes amis, c'est trentaine, quarantaine. Puis là, ouais, j'avoue, hein, tu sais, dans le fond, je suis pas satisfaite. OK, bon, ben. On est habitué de pas avoir de résultats, Valérie. T'sais, on est habitué avec les cosmétiques courants, traditionnels, de pas avoir de résultats. Si bien que quand nous, on a publié il y a quelques années des avant-après, les gens n'y croyaient pas. T'sais, ils pensaient que c'était falsifié. Des journalistes qui appelaient les clientes, imagine, pour dire, ben voyons donc, c'est pas vrai. Est-ce que Jacinthe vous paye? T'sais, c'était tellement... Les gens sont habitués de pas avoir de résultats, mais on en a pour tout. Ben moi, je pourrais vous envoyer ma photo avant. Oh, la non. journée que j'ai commencé mes onges à 5. J'ai pris une photo, puis je me suis dit non, c'est pas la personne que je suis. Puis j'ai pas le goût. Fait, je vais vous l'envoyer. Ah, oh, j'aimerais ça. Ouais. Pour toi, là, huile nettoyante avec un push-push, c'est lequel ton push-push de cheveux? Neroli. Neroli. Merveilleux. Ah, oui. Fait que huile nettoyante, Neroli, karité solaire, puis masque au chocolat, c'est comme pour toi, c'est ce qui a fait une belle différence. Ah oui, mais je dirais, tu sais, après, j'ai intégré le sublimateur. Ah, ben. Puis là, après ça, ben là, j'étais comme, oh, mais là, l'otus sacré. Finalement, m'en l'essayer. Puis, parce que, tu sais, au début, c'est ça, quand je dis, c'est step by step, c'était comme, tu sais, c'était too much, là. J'avais pas l'expérience olfactive dedans. Mon cerveau, il était pas là. Mais maintenant, là, tu sais, je veux dire, Je mets mon lotus sacré, puis je suis comme, c'est comme, c'est des moments importants pour moi. Puis c'est bizarre parce que quand j'ai commencé Maison Jacinthe, j'étais partie en camping, puis j'avais amené tout mon stock, puis je trouvais ça tellement le fun qu'on pouvait juste se nettoyer le visage avec une débarbouillette. Tu sais, au lieu de, comme, être devant le lavabo, puis pitcher de l'eau dans la face, que, excusez l'expression, avec moi, j'étais comme, Ah, ça me fait mal. Fait que j'ai commencé tout ça dans le camping. Tu sais, assis dans ma chaise le soir. Puis là, j'ai comme... On dirait que j'ai associé ça aussi à l'air pur, le dehors, tu sais, comme... Prendre le temps pour soi, puis décrocher, puis... Exact. Fait que, tu sais, moi, je vois sur les accros, là, les gens, ils ont des beaux présentoirs, là, puis j'y trouve super beau. Mais moi, mon chum m'a acheté comme un panier là, portatif, là, parce que ma mère n'a pas le temps. Là. Quand je décide de faire ma face, des fois, je suis dehors, des fois, je suis en dedans, des fois, je... Puis c'est ce que je disais, tu sais, je peux commencer, ah, OK, là, j'interviens, je fais quelque chose, nanana. Fait que moi, je suis vraiment comme... mon rituel, il est portatif, puis c'est ça que j'aime. Fait que...
T'as accouché l'an dernier, c'est ça que tu dis? Exact. Après, tu sais, après beaucoup d'efforts, tu sais, de désir et bravo. Et c'est merveilleux, je suis contente pour vous. Moi, je me souviens quand j'ai accouché de Jonathan, puis j'avais mon rituel à la rose, tu sais, dans la chambre. Puis, tu sais, moi, je suis trop, trop, trop poule, là. Tu sais, je reste, je suis collée, scotchée à eux. Mais à un moment donné, il fait dodo, je le dépose sur le lit. Tu sais, il n'y a même pas une journée, là. Puis, je m'en vais faire mon rituel à la rose. Mais juste de prendre 30 secondes, je me suis sentie femme, je me suis sentie bien. Je suis retournée avec mon bébé, puis je me suis dit, on n'a pas besoin de grand temps quand on est, tu sais, maman, mais c'est juste de dire, hey, je suis là encore, mais je vais être avec mon bébé parce que, tu sais, je dis Ouais. rien de plus important, tu sais, puis à côté de moi, j'ai une photo que j'aime tellement et ça, là, tu sais, c'est possible, tu sais, c'est possible de prendre 30 secondes, une minute, Ah si ouais. un gros traitement, 10 minutes, tu sais. Ah oui, c'est ça. Ça dépend. Le matin, c'est plus court. Le soir, c'est sûr que moi, c'est plus long parce que là, moi, c'est ça que je fais là, le soir, là. C'est comme c'est la manière que je décompresse. Mais le matin, c'est quand même très drôle parce que ma fille, qui me voit depuis toujours, finalement, elle a 15 mois faire ça, elle vient toujours avec moi. Des fois, elle me regarde, t'es comme. Je suis comme, oui, c'est ça, ma cocotte. Stimule ton système lymphatique. Non, mais tu sais, je suis comme, elle me regarde, puis elle est comme ça, puis je suis comme, ah, ben oui, tu sais, je trouve ça cute Les que c'est ça. on peut les utiliser sur nos bébés. Il n'y a aucun souci. Je trouve ça tellement merveilleux de, versus tout le chimique, le toxique, Oh, juste vraiment. les jets qui contiennent des agents la plupart, la majorité des agents de conservation, des fragrances. Et là, on a de la douceur, de la bienveillance. Ah. Je trouve ça fantastique. Et les gens te trouvent intéressante. Ah, merci. Non, mais c'est, tu sais, pour les enfants, je trouve ça le fun aussi parce que, tu sais, une fois qu'on a compris c'est quoi Maison Jacinthe, votre philosophie, les produits que vous utilisez, ben le choix, je trouve qu'il se fait rapide quand je vais utiliser un produit, puis est-ce que je peux l'appliquer sur mes enfants? Comme, je ne me suis pas posé 26 questions pour le karité solaire, le baume apaisant, parce que c'est. J'avais déjà intégré, c'était. Vous étiez qui? Il ne faut pas, après ça, aller tout relire. Oh, ils ont-tu, nous ont-tu sneaké un ingrédient, de l'alcool? Ou tu sais, il y a cette confiance-là que je trouve que vous avez établie avec la communauté, avec vos clients. Puis aussi, ça l'émane vraiment beaucoup dans les maisons. Je trouve que votre staff est merveilleux. Il y a vraiment cette confiance-là dans les produits. Fait qu'en tout cas, en tant que maman, pour moi, c'est un gage de confiance, là. Puis c'est. Bon, c'est sûr, des fois, mon chum, il applique le baume apaisant au lieu du karité solaire, là. Je suis comme, ouais, non, ben, c'est correct, mais ça protège pas son visage. Être à côté d'eux. Nos chums, il faut, tu sais, et t'inquiète pas, j'ai Sylvain, il est à côté, il écoute, et c'est la même chose pour lui. Tu sais, mais c'est correct, tu sais, le matin, je lui dis, t'as-tu pris ci, t'as-tu pris ça, puis ça fait toute la différence, et je suis contente que ton chum aime ça. À quelle maison vas-tu? T'es à quelle. Ben, nous, on est à Montréal, fait que je vais souvent à Montréal. Mais sinon, l'été passé, on était à Eastman, on était dans ce coin-là. J'étais en congé de maternité, on s'était loué un chalet, fait que j'ai été souvent là. Saint-Bruno, parce que des fois, mon garçon est comme, on va-tu visiter une maison aujourd'hui? Ben voyons. Oh, Ah oui. Puis, tu sais, Sainte-Thérèse, puis, tu sais, je me suis jamais senti comme mon garçon dérangeait, puis on s'entend, là, c'est pas un bibelot, mon garçon, là, il y en a dedans, là. Puis c'est comme, hey, est-ce que tu veux, tu sais, souvent, je dis, OK, tu peux choisir une collation, tu peux te choisir quelque chose qui sent bon. Fait que là, c'est sûr, je l'enlève des. Je suis comme, non, non, on va pas voir les sérums, là, regarde les savons aussi. Il y a des coins pour eux à Montréal. J'ai fait tellement un beau coin. Il aime ça, ton gars. J'ai fait Ah oui. ça pour les enfants dans toutes les maisons. C'est super Ouais. important pour moi Ouais. qu'ils sentent que c'est leur maison à eux aussi. Ça me touche. Tu n'as pas idée comment. Il n'y a rien de plus important pour moi que ça. T'sais. Ouais, non, c'est vraiment. Puis j'avais été à Sainte-Thérèse pendant le temps des fêtes. Puis là, il avait dit, ah, regarde, c'est les jouets de mamie. Parce que, tu sais, il y avait comme une collection plus jeux d'époque, là, vieux.
C'est les jouets de mamie. Parce qu'elle a gardé c'est des jouets quand elle était plus jeune et tout ça. Fait. Ah non, c'est. Je trouve ça convivial. Puis je sais pas, pour moi, ça me dérange. T'sais, parle-moi d'aller faire une commission, d'aller au centre d'achat, d'aller faire l'épicerie. Ça me tente pas, j'aime pas ça, je me sens siphonnée après avoir fait ça. Mais parle-moi d'aller à Maison Jacinthe, je suis comme parfait, j'ai ma liste d'épicerie. Puis tu sais, comme nous, ça a changé notre vie entièrement parce qu'on a pris conscience de ce qu'on met sur notre corps, l'impact que ça a sur notre santé. Est-ce qu'on veut être là pour nos enfants, longtemps en santé, bouger? Donc, c'est tout ça, tu sais. Honnêtement, je pourrais vous en parler toute la journée, mais comme, tu sais, on a réintégré l'exercice. Les protéines, nous, ça a changé notre vie parce que, tu sais, moi, le matin, j'étais comme, OK, let's go, tu sais. Tu sais, c'est quoi? Ouais, l'école, la garderie. Puis là, je finissais les toasts de un, les céréales de l'autre. Finalement, je mangeais tout croche. J'avais faim à 8h15. Je recommençais à manger. Là, tu sais, le poids embarquait. Je me sentais pas bien, inflammée, plein de gluten. Fait que là, à un moment donné, c'est ça. Fait que là, je vous écoutais. J'allais rechercher des vidéos. Là, fait que là, c'est un shake de protéines le matin. Tous les matins. Ah! Oh. Tous les matins. Puis, non, tous les matins. Puis, quand j'ai recommencé à travailler, des fois, j'arrivais au travail avec mon shake. Puis, le monde était comme, hey, à quoi tu bois? Voyons, tu sais, ça fait tellement années 90, là, ton shake de prot. J'étais comme, mais moi, là, ça fait la différence dans ma vie. J'ai plus faim. C'est la première fois dans ma vie que j'ai pas le goût de manger 8 déjeuners. Je me rends jusqu'à midi, je suis heureuse. Puis là, finalement. Puis, c'est pas une énergie, tu sais, qui est fatigante, là, qui est stressante. C'est une belle énergie. C'est toute la différence de prendre un shake de protéines pour moi. Et ça se digère bien. Et pour les mamans pressées, c'est tous les parents pressés, finalement, c'est comme un champ. On le prend, tu sais, on peut prendre le temps de le prendre sur la route en vitesse, tu sais. Ah, mais vraiment? C'est moi, tu sais, quand je vais porter mon garçon, c'est là que je le bois si je ne l'ai pas fini. Puis, tu sais, au début, on s'était dit... On va l'essayer, mais tu sais, on adaptera nos recettes. On n'a jamais changé notre recette, là. Vanille, chocolat, banane, puis amande. C'est notre vie, là, tu sais, comme... Puis, à un moment donné, j'avais entendu dans une vidéo, « Ah, ça me calme, ça m'apaise. » J'étais comme, « Ah, c'est quoi ce sentiment-là? » Tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Puis là, j'étais comme, « OK, comment je me sens? » Fait que là, c'est là que je me suis intéressée à comment je me sens une fois que j'ai ingéré un aliment. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est vrai, après mon shake de protéines, je sens pas que mon corps est, je me sens pas fatiguée, je me sens pas trop énervée, j'ai pas de pic, je me sens comme constante. Comment je me sens après de manger une pizza, mettons? Je me sens vraiment pas bien. Non, et fatiguée souvent un petit peu après, tu sais, puis c'est comme, j'ai envie de rouler. Les premières fois, en 2013, quand j'ai écrit même le premier livre, j'ai dit, j'ai pas envie de me sentir lourde et de sentir, j'ai pas d'énergie et juste vouloir aller m'endormir, puis un peu, tu sais, dans brume. Foggy, exact. Et ce que j'ai envie, c'est d'avoir, tu sais, de manger pour avoir de l'énergie, mais pas une énergie stressée, qu'on n'arrête pas, puis qu'on est sur le café, puis qu'on est... Non, une belle énergie, justement, pour avoir envie de vivre nos journées, d'être là avec nos enfants, tu sais, de réaliser, de s'accomplir, tu sais, de faire ce qu'on a envie de faire nos projets. Et c'est ça que l'alimentation propose. Et non, on n'offre pas les services d'un ou d'une naturopathe, Nathalie. Je réponds en même temps aux questions. La naturopathie n'est pas reconnue au Québec. Et ça tellement pour nous est associé à un paquet de problèmes que je m'en éloigne. Il y a des super bons naturopathes, j'en apprécie deux, femmes extraordinaires, mais pour le reste, malheureusement, ici, tant que ça ne sera pas reconnu comme des spécialistes de la santé, ça pour nous, ça a été un cauchemar. Mm-hmm. On ne va pas là, un naturopathe ne peut pas donner de conseils ou faire de diagnostic ou de proposer quelque chose. Moi, ce que je vous dis, évidemment, au niveau cosmétique, beauté, c'est facile, tu sais, et on est une entreprise beauté et bien-être, et on a des produits de santé naturels homologués par Santé Canada pour des allégations thérapeutiques. Donc, ce que je peux vous dire,
C'est les allégations qui nous sont données par Santé Canada, qui nous sont proposées après la soumission d'études scientifiques. Donc, il faut rester évidemment dans le cadre légal. On ne peut même pas, si vous venez dans une maison Jacinthe, en nous disant « je suis fatiguée » ou « j'ai besoin de ci, ce, ça », si on a un produit qui répond à vos demandes, OK, on peut vous dire, ben, le complexe B, justement, peut procurer de l'énergie. L'huile TCM est homologuée pour ça aussi. Mais on ne peut jamais adresser quelqu'un qui a des problèmes de santé. C'est interdit. C'est juste pas. Et oui, Valérie, tu es inspirante. Tu t'exprimes bien. Et ça nous donne le goût de t'écouter. Mais c'est parce que c'est très concret. C'est très réel. Et ça, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu quelqu'un qui, tu sais, qui, fraîchement arrivé, puis qui découvre. Y a-tu quelque chose que tu n'as pas ou que tu connais, tu sais, ou que tu as de la difficulté, ou là, tu es à 7, tu comprends bien, puis. Ben là, je suis plus la. Je dirais la dernière étape, je suis dans l'exfoliation du corps. Là, je me suis pas encore rendue jusque-là. Mais sinon, j'irais, tu sais, comme nos vitamines le matin, on a intégré ça. Même mon gars, là, il a sa petite truc là, de pilule. Là, C'est quoi la différence, Valérie? Tu vis une différence avec les suppléments aussi. Ah non, mais moi, ma vie, là, comme. Quand j'ai commencé aussi Maison Jacinthe, j'étais comme la grossesse a été extrêmement difficile. J'ai fait de la fertilité, mon corps était tout débalancé. Je faisais de l'anxiété, comme puis là avec un nouveau bébé, ben l'anxiété est encore plus présent. Puis là, tu sais comme je sentais que ça allait pas bien. Puis je me suis dit là Valérie, tes peurs, comme j'avais vraiment le peur d'avoir des soucis de santé parce que je voyais que j'allais pas super bien. J'étais comme, ben là, il va falloir que tu prennes en charge ta santé. Mais pour moi, la santé avait toujours été associée comme, ah, ben fais des régimes, prends des pilules. Fait que j'étais totalement perdue. Fait que c'est pour ça, quand j'écrivais à ma Christine, l'huile nettoyante a changé ma vie, c'est juste parce que ça a été le point d'entrée pour moi de Maison Jacinthe. Tu sais, j'écoutais toutes les lives là, puis je me sentais tellement inspirée de ces femmes et hommes-là qui avaient comme leur parcours que j'étais comme moi aussi, j'ai le goût d'intégrer cet élément-là. Puis hey, finalement, j'ai été capable de dissocier, de faire de l'exercice. Ça n'a pas de lien avec perdre du poids. On fait de l'exercice pour Pour se être. tonifier. C'est ça. Pour vieillir en santé. C'est sûr qu'il y a des répercussions sur le poids. Tu sais, je ne vous cacherai pas que j'ai perdu 50 livres depuis que j'ai commencé Maison Jacinthe. Oh Tu ne oui. l'imagines pas. Je trouve ça fantastique. Puis Fantastique. c'était pas comme des régimes. J'ai jamais eu pas faim comme ça de ma vie. Comme j'ai jamais été aussi motivée à m'entraîner parce que finalement, c'était comme il y a des journées là, quand j'étais dans la vingtaine. Je m'entraînais pas, je suis comme ben, de toute façon, ma journée est gâchée. Poutine. Ah ben de toute façon, j'ai pas fait ça. Ah ben de toute façon, j'ai mangé une poutine, fait que je peux pas aller m'entraîner. Tu sais, c'était indissociable pour moi. Puis là, de vous entendre, toi puis Sylvain, comme si je vous connais, tu sais, je suis dans votre famille. Puis de comme, OK, c'est vrai, ah ben, la musculation, j'avoue que, tu sais, si je veux vieillir, ben, bien. Puis en santé, ben il faut que j'aie des muscles. Puis j'ai eu des gros problèmes de nerfs. Puis comme, tu sais, là, des scans, puis des imageries médicales, puis des... Tu sais, on a eu peur, là. Puis la neurologue, finalement, elle dit, tu sais, ton diagnostic, Valérie, là, c'est tu tiens tout croche. T'as pas de musculature, t'as pas assez de muscles. Tu mets trop de strings comme sur tes trapèzes, puis... Fait que là, ça a été comme, OK, musculation. Il faut que, pour ma santé à moi, puis mes nerfs, là, ils se portent tellement mieux, là. Comme, j'ai plus des douleurs dans le cou. J'ai comme, là, tu sais, comme, des morceaux de casse-tête qui viennent tous s'emboîter, là. Puis, c'est sûr que c'est le fun. J'ai plein d'énergie, je perds du poids, mon visage, je veux dire. Largement, je me mets plus ça de make-up. D'ailleurs, je m'en mets presque plus. Comme, c'est toutes des conséquences positives de mon changement de vie. Mais tout ça, c'est parce que j'ai googlé push-push, belle femme Québec, là. On s'entend, là. Je m'attendais, mais pas à ça, mais pas pantoute. Tu sais, puis. C'est Valérie, c'est comme t'es un cadeau, un immense cadeau ce matin, et tu fais partie de notre famille aussi.
tout le monde est inspiré. Moi, si jamais tu as le temps, mais là, je sais que tu as une puce puis tu as un enfant, mais j'aimerais ça savoir c'est quoi que tu prends dans une journée, parce que les gens vont te demander, parce que tu es très terre à terre. Et tu sais, à un moment donné, avec Annie avait dit, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, mais tu sais, ton regard sur qu'est-ce qui fait une différence pour toi dans une vie de jeune maman, qu'est-ce qui a fait une différence au niveau de l'alimentation, j'aimerais tellement ça. On a une, tu sais, ce que tu as écrit à Marie-Christine, mais il y a eu plus de si jamais tu as le temps. Puis, parce que je sais que ça va aider les gens énormément, tout le monde se reconnaît et tout le monde te trouve inspirante. Tu le vois pas, mais tu sais, même les gens sont bravo, tu sais, puis ils ont envie de, tu sais, ceux qui viennent d'arriver veulent réécouter le début. Mais j'aime ça, c'est frais, c'est très vrai, c'est très authentique et c'est très, et ça fait du bien. Moi, c'est un gros, gros, gros cadeau pour l'exfoliation du corps, là, Valérie. Juste le brossage à sec. Moi, tu vas voir, juste ça fait une différence. Tu sais, je le dis souvent, mais quand on est pressé, tu sais, l'exfoliation coco va faire une différence si tu as la peau sèche. Parce que tu le mets sous la douche, puis après ça, juste en passant l'eau, ça va faire en sorte que ta peau est hydratée. Tu n'as pas besoin de rien mettre après. Fait que c'est Mais sûr que... on brosse avant d'aller dans la douche? Oui. Ah, OK. Ah, c'est ça, comme pas mouillé, là. Pas mouillé, à sec. Oh, Et OK. dis là ton chum aussi, parce que moi, le mien, des fois, il rentre la brosse dans la douche, on mouille pas la brosse. La brosse, OK. elle reste à sec, fait que tu la laisses à l'extérieur, puis tu brosses avant d'aller dans la douche. Et tu vas voir, c'est tellement vivifiant. Wow. Et tu pars des pieds jusqu'aux fesses, puis des bras, puis après ça, tu peux faire le dos. Ça active la lymphe aussi. Ah, Et OK. les peaux mortes. Donc, ta peau, là, ça se peut que si tu l'as jamais fait, ça se peut que ça te prenne quelques jours, mais ta peau est toujours neuve. Tu sais, Ah, OK. toujours propre, est toujours neuve, est débarrassée. Et tu n'as pas besoin, quand tu fais ça tous les jours, d'hydrater. Ta peau, elle est là et elle est neuve. C'est ça, on s'en va pas comme juste comme l'huiler la vieille peau qui est là, c'est ça. OK. Mais si tu as besoin de plus, Coco fait les deux en même temps. Mais tu sais, c'est parce que Ah. Coco, tu t'exfolies, mais c'est composé de beurre. Fait que le beurre, fait que t'exfolies aussi avant d'aller sous l'eau. Fait que t'exfolies la peau, puis après ça, sous la douche, tu as juste besoin de finir le mouvement. De L'eau fait rincer. pénétrer le beurre. T'as besoin de rien après, là. T'sais. Puis tu Ah, vas voir, ça wow. laisse un petit hâle aussi sucré. Mais doré, parce que le sucre va s'imprégner la peau et ça transforme aussi l'eau transforme aussi le sucre en acide glycolique. Donc ça illumine la peau. Fait que tu sais, c'est un Ah. ou l'autre, un et l'autre, mais brossage à sec, c'est sûr que c'est la porte d'entrée. Tu vas voir, tu vas comprendre, tu vas faire, ben OK, je comprends. Pour moi, Un c'est autre morceau. essentiel. Oui, un autre peu de robot, mais Coco, si tu as une peau qui tiraille un peu, puis c'est souvent à la fin de l'hiver, Coco peut faire une belle différence parce que ça va faire les deux en même temps. Et tu n'auras pas besoin de huiler quoi que ce soit. Et tu vois, Annie, elle est là, puis elle dit qu'elle est tellement heureuse de t'entendre ce matin, tu viens de changer quelque chose pour moi. Ah, c'est cool. En effet, inspirant, motivant, positif. Et c'est un gros, gros, gros bonheur. Reste en contact avec nous, Valérie. Si tu as des questions, Absolument, absolument. plaisir d'y répondre et de te revoir aussi. On va faire la tournée des encore là, moi puis mon garçon, des maisons Jacinthe. Faudrait qu'il rencontre Jonathan. T'sais, on a l'intention d'aller à Sainte-Thérèse avec Pierre, peut-être qu'à un moment donné dans l'été, peut-être en juillet, OK. parce que Pierre aime ça aussi, vous rencontrer Pierre Haddad, là. Fait que si jamais tu es là avec ton gars, mais je pourrais dire à Jonathan de venir, parce qu'il y a un beau coin avec des jouets aussi à Sainte-Thérèse. Ah, OK. Oui, ils ont les mêmes intérêts. Ah oui, c'est ça. Ah ben, merci beaucoup de l'invitation. C'est un bonheur de partager tout ça. Puis ça vient vraiment du fond du cœur, là. C'est tellement Merci. naturel. Merci, puis j'aimerais savoir ton journal, le journal de Valérie, tu sais, Oui.
C'est juste le temps. Tu sais, pas besoin de plusieurs phrases, mais tu fais du bien. Ton humour fait du bien aussi, ta vision là-dessus. Et Elisabeth sera là aussi. On pourrait faire une rencontre pour les enfants. Ça serait Ah, ça. super ça. Une Je pourrais y playdate aller. Maison Jacinthe. Ouais. Merci Valérie. Merci, merci, merci. Merci. Avec Et plaisir. bonne suite et à très bientôt, j'espère.